ce 26 novembre, sixième victoire d'affilée pour les cheminots du Football Club Saint-Éloi-Lupopo en Ligue 1 de la 29e Linafoot. Les cheminots du boss Jacques Yaboulakatoué ont battu les anges essaims de Sangabalindé par la plus petite victoire en 1-0 dans le cadre de la 12e journée. Les protégés du boss Kiaboula n'ont pas attendu la fin du premier quart d'heure pour prendre le dessus sur le Balindé. À la 9e minute, d'un coup des pieds des coins de Patou Kabangou Mounota, partant de la gauche vers la droite, dans le petit rectangle, Jonathan Mokonzi Dipogba a d'une tête en rebond trompé la vigilance du portier Kalambay Katembwe pour l'ouverture des scores. L'étoilier de la défense des jaunes et bleus a par la même occasion ouvert son compteur but en 1-0. Tous les assauts de bleu et or resteront stériles, bien qu'ils ont gagné en possession des balles. La finition n'a pas été au rendez-vous et c'est juste à la pause. Des retours de vestiaire, Mohamed Magasuba descend Orso Mwaku et OCT Italie et monte Jonathan Masakidi et Kartien Dembélé. Ces derniers a loupé quelques occasions nettes. Le Balindé se réveille et tente de bousculer la hiérarchie pour égaliser, mais en vain. Diobinu Ndongala n'a aussi pas su aller au bout de ses efforts dans certaines situations de sa présence dans la surface des réparations des Balindé. À la 70e minute, deux autres changements dans les camps des cheminots. Massini prend la place de Josué Kazema et Patou cède sa place à Georges Mpole. L'attaquant tanzanien fait sa première apparition en officiel avec Lupopo et montre ses quelques qualités par son agilité, sa maîtrise technique et son emplacement. Ensemble avec son coéquipier malien Dembélé, ils ont essayé de chercher le deuxième but, mais en vain. Ainsi, le Football Club Saint-Éloi-Lupopo consolide sa place de leader du groupe A avec 31 points devant le TP Mazembe, 27 points avec un match de moins, et Lubumbashi Sport